Bonjour à tous. Alors que la saison des publications trimestrielles touche à sa fin, le CAC 40 entame la séance en hausse. Du côté des valeurs à suivre ce mardi, on citera LVMH qui a annoncé hier soir l'acquisition d'une participation majoritaire dans le parfumeur de luxe français Maison Francis Kurkdjian. Autre acquisition, cette fois dans le domaine des télécoms, Altice, maison mère de SFR Numéricable, finalise le rachat de TED, entreprise spécialisée dans la vidéo publicitaire en ligne, pour 285 millions d'euros. Et puis enfin, Valeo devrait profiter du relèvement de recommandations de la part de Jefferies, qui est passé de sous-performance à conserver sur le dossier. On s'arrête ce matin sur L'Oréal qui a mis en vente son enseigne Body Shop. D'après des sources interrogées par Reuters, plusieurs fonds de capital s'apprêteraient à formuler des offres non engageantes avant la date limite fixée à mi-avril. Les investisseurs valoriseraient la chaîne de magasins britanniques à moins de 700 millions d'euros, alors que L'Oréal espérait en tirer 1 milliard d'euros, ont encore précisé ces sources. Le groupe de luxe avait racheté Body Shop il y a 11 ans, mais n'est jamais parvenu à redresser les comptes de la société. L'an dernier, son résultat opérationnel est tombé à 33,8 millions d'euros contre 54,8 millions en 2015. C'est la fin de ce flash, je vous retrouve à midi pour un point de mi-séance.